Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Planet Zoo. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai avancé. J'ai fait pas mal de choses hors vidéo. Donc là j'ai construit un... Enfin j'ai construit, non, j'ai récupéré un bâtiment qui sert d'habitat pour les koalas. Et donc c'est un habitat un peu particulier puisque les koalas sont un des rares animaux qui peuvent cohabiter avec avec les visiteurs. Donc en fait, l'habitat, voilà, il fait cette taille ici. Donc on a une entrée ici pour les visiteurs, une sortie là. Donc les visiteurs vont pouvoir rentrer dans l'habitat et voir les koalas directement. Et j'ai également ici, pour la zone d'Australie, fait un petit circuit en Jeep qui passera dans tous les... Dans tous les habitats. Donc là, a priori, je compte faire un habitat pour les kangourous. Voilà. Donc c'est un bâtiment que j'ai récupéré, que j'ai pas mal modifié. Enfin ouais, que j'ai un peu modifié par rapport à ce qu'il y avait. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. C'est assez sympa. Ah, je peux pas zoomer. Voilà. Hop. Donc là, les visiteurs ils rentrent par là-bas, ils ressortent par ici, enfin ou inversement. Et ici, donc il y aura les koalas en contrebas, mais qui pourront, bah, là monter, il y a une petite pente, ils pourront monter. Je sais pas du tout comment ça se passe, on verra. Si vraiment les koalas ils viennent à l'intérieur, enfin ici, voir les visiteurs, on verra bien. Et ici, ils ont une zone un peu extérieure, voilà, avec un endroit pour dormir et des arbres. Voilà, je leur ai fait un petit passage pour passer au-dessus. Du train, puisqu'il y aura aussi mes soigneurs qui passeront par ici, par la porte qui est là. D'ailleurs, je sais pas si mes soigneurs ils pourront passer sur les rails. C'est une bonne question, ça, j'en ai pas la moindre idée. Je crois que maintenant on peut voir les zones pratiquées par les employés. Ah bah oui, voilà, ils peuvent passer. Très bien. Sans problème. Donc c'est très bien. Donc voilà pour cette zone. Là ça je vous avais déjà montré hein, la zone des soigneurs, tout ça. Du coup ici j'ai mis un panneau pour montrer qu'on entre dans la zone Australie. J'ai mis un petit peu ici un truc un panneau d'information. Là j'ai mis le panneau des koalas puisque ça va être le truc des koalas. Là j'ai mis deux trucs pour des distributeurs de billets, ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs, on va les mettre, on va les installer tout de suite avant d'oublier. Ah donc on peut pas les mettre comme on veut, les distributeurs de billets, donc on va faire comme ça et puis hop comme ça, et on va déplacer ces machins qui sont censés être beaucoup plus comme ça à mon avis. Oula, non, pas tant que ça finalement, je m'attendais à un truc un peu différent, mais c'est pas grave. En termes de hauteur, on va faire comme ça, c'est pas mal. Voilà, on va le changer de couleur par contre, si c'est possible. Oui, donc à la place du vert, on va mettre du rouge comme ça un peu. Voilà, parfait. Et le bleu, c'est quoi? Ah, c'est la couleur. Ah, on peut choisir carrément la couleur du machin. Un petit orange comme ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Ça c'est bien, hop, on va faire pareil ici. Alors déjà on va bouger ça. Hop, donc je pense qu'aujourd'hui on va faire un petit peu, un tout petit peu de déco. Hein, on commence un peu avec ça. Là, paf. Alors le vert, on a dit qu'on mettait du rouge comme ça. Et le bleu, on met un orange comme ça. Voilà, c'est ça. Oh, c'est peut-être pas tout à fait le même rouge que j'ai mis, je crois, mais c'est peut-être plutôt celui-là. Non. Là, appliqué. Ok, et là j'ai mis des petites boutiques. Donc là j'ai mis une boutique de chapeaux. Je trouve les chapeaux trop cool en fait. J'avais pas vu, j'en ai mis très peu des boutiques de chapeaux, je crois. Et je trouve c'est très rigolo de voir les visiteurs avec des chapeaux. Oula, le sol par contre est pas terrible. Bon, c'est pas grave. Faut vraiment aller y voir. Faut vraiment aller y voir. Ok, et là on va mettre des boutiques de nourriture et de boissons. Sachant que j'ai aussi mis un stand d'information ici, tout petit.
Voilà, donc là l'idée pour verrouiller l'habitat sera de mettre des rochers. Ce que j'ai commencé à faire un peu sur les côtés là. A priori, les koalas ne devraient pas avoir besoin de trop de. Comment dire? De hauteur de barrière. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des stands de boissons. Les cafés, je suis pas fan, mais bon, il n'y en a pas. Donc, alors attendez, c'est pas ça que je voulais faire. J'en ai pas mis encore. Donc on va en mettre, puis on verra bien ce que ça donne. Hop, alors, hop. Hop, comme ça. Paf. Donc là, c'est un truc de café. On va mettre un truc. Milkshake, slush, gulpy énergie, non, ça doit peut-être les aider, ça, à avoir de l'énergie, non? Alors, faut que je sorte. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un truc de bouffe en face, à côté. Hot dog, tiens, allez, hot dog, hop. Mince. Hop là, des hot dogs. Ensuite, on va quitter ça. On va mettre. Monsieur Frit Pizza Pen, on va mettre un excellente. On va se mettre là-dedans. C'est ça la hauteur là? C'est ça. C'est pas terrible, non? Ah non, c'est pas mal. Ok, et ensuite un autre truc de boisson. J'ai pas trop de trucs de souvenirs, je pense. On en mettra peut-être, mais de l'autre côté. Vous verrez, je vais créer une autre zone. Boisson. Boissons, des smoothies, allez, des smoothies. Hop là, voilà. Et on en a un autre ici. Bon, on peut faire un petit truc de souvenir ici. Du coup, dans celui-là, ou un autre truc de boisson. Je sais qu'ils ont beaucoup soif. Ouais, allez, des jus. Alors, il faut quitter ça, il faut se mettre dans celui-ci. Allez. Voilà. Comme ça, très bien. Hop, voilà. Peut-être qu'on en rajoutera un là, ici, on verra, ou qu'on mettra un bout de chemin qui va voir les koalas là-bas. Je ne sais pas. Ici, l'idée sera de faire une petite zone du coup, avec pareil des. Peut-être que j'essaierai de faire une espèce de restaurant comme j'avais fait sur la zone du début là-bas. Je ne sais pas, ou trouver un restaurant tout fait qui me plairait. Dans le workshop. Ah, j'ai des problèmes avec mes habitats d'animaux. Je parie que c'est les. Voilà, je parie que c'est eux. Je sais pas pourquoi. Eux, il y a un problème. Si on va voir ici, voilà, l'escalade, ça va être. Ah non. C'est pas. Ok, il y a d'autres choses à changer, mais. Je m'attendais à autre chose. Ah, population d'adultes. Ah, c'est ça. Ok, il y a beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. De toute façon, je m'y attendais au bout d'un moment. Donc, il va falloir les vendre. Ah oui, chose que je voulais voir. Ici, dans les défis communautaires, normalement, j'ai terminé. Il reste 2 heures. Ah bah voilà. Bon, bah, ce sera fini dans 2 heures. Et j'en ai fait pas mal. Je suis pas allé jusque-là. Là, apparemment, il y a un truc particulier. Là, je ne sais pas ce que c'est. Le but, là, c'était de relâcher des félins 5 étoiles. J'en ai relâché 3. Donc je suis bien placé, donc a priori je devrais avoir des récompenses sympathiques. On verra ça bah, la prochaine fois sûrement du coup. Si je ne l'ai pas débloqué entre-temps. Donc ça veut dire que on va mettre de côté ça, on va gérer les animaux. Mes autruches. Ah oui, mais je vous ai pas montré ça d'ailleurs. Je ne sais plus. Ici dans cet habitat, est-ce que je vous ai montré que j'ai mis des autruches et des phacochères, dont un phacochère albinos qui est ici. Voilà, il est tout blanc. Donc mes autruches, elles ont déjà fait des petits. Hein? 4 petits. D'ailleurs, j'avais acheté des autruches avec des médailles d'or. Ah, les bonobos commencent à avoir des problèmes aussi. Social. Ah. C'est quoi les problèmes sociaux qu'ils ont? Ils sont trop. Non. Espace.
Ah bah voilà, voilà, eux ils ont bugué. Ça arrive des fois avec les singes, je ne sais pas pourquoi. Le calcul ici de la zone d'escalade plante. Foire. Je sais pas pourquoi. Alors que ils ont tout ce qu'il faut. C'est quoi cette espèce de bruit? Ah, ça doit être les aspergeurs d'eau. Voilà, par contre, dès que je suis en. Enfin, je baisse les qualités graphiques. Donc en fait, si, il suffit que je fasse ça. Hop, pouf, par exemple, paf, ok, juste pour relancer le calcul. Et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Attendez, hop. Si je prends un bonobo. Non, lui. Voilà, si ça a marché. Ça a redéclenché le calcul, c'est bon. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça bug par moment. Ah, je commence à avoir beaucoup de visiteurs. Je pense que c'est ça qui fait ramer ma carte graphique. Et que j'ai, je perds du framerate. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on fera de toute façon, c'est que je baisserai peut-être la qualité graphique pour jouer. On verra. Pour le moment, c'est pas dramatique. Ok, donc eux, ils sont beaucoup trop. Les murs. Pas les murs, les machins. Alors, tac tac tac, on regarde en passage le bonheur. On regarde les animaux, j'ai encore un bébé girafe qui est né, peut-être qu'on va vendre un de ces deux-là. On verra. Ou le bébé qui va naître. Je ne sais pas. Lui il est vieux, peut-être que c'est temps de relâcher les vieux dans la nature. Hein. Ou les envoyer à l'hospice, il y a un truc exprès pour les vieux animaux. Ça me fera de la place, les gnous, il y en a beaucoup. Voilà, ensuite les gorilles. Pareil, ils ont fait des petits les gorilles. On va faire ça déjà. Blablabla. Ok. Zo. Tac, 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 tac. Les grenouilles, ça va. Les hippos, ils nous ont fait des petits aussi. Qui sont encore jeunes. J'avais deux femelles et un mâle, donc ils ont fait les deux petits qui sont encore jeunes. Les hippotragas. Ah tiens, on a un mâle qui est arrivé là, qui a de taille adulte, donc on va le relâcher dans la nature lui aussi. Les lions. Ah, les lions. Ah, les lions. Les lions aussi. Ah, bah ça va peut-être être l'occasion de gagner. Ah bah non, je vais pas avoir assez de. Combien c'est? C'est des 3 étoiles. Des 5 étoiles. Blablabla. Des félins 5 étoiles. Alors. Les lions sont les seuls félins que j'ai. Non, c'était pas là, c'est dans Zoo. Du coup, j'ai que les lions que je peux relâcher. Alors, 5 étoiles. Si je relâche, disons. Ils sont jeunes, mes lions. Elle. Elle a que 3 étoiles. 2 étoiles. 2 étoiles. 2 étoiles. 3 étoiles, donc ça me sert à rien de les revendre, de les relâcher, ils n'ont pas 5 étoiles. Par contre, j'ai deux lions mâles dans mon zoo, du coup on va relâcher un, enfin celui-là du moins. On va l'envoyer lui au centre d'échange. Voilà. Et on le vendra pour gagner un peu d'argent, parce que j'ai un peu baissé là, avec les animaux que j'ai achetés, 3 étoiles. Les lémures, eux, ça va, ils se font pas trop de petits. Alors, eux, ils sont beaucoup trop dans l'habitat, je suppose, c'est pour ça. Si je regarde salle sociale, espace. Ah, il y a ça qui a bugué encore aussi. Hein. Il y a ça qui a bugué pour eux. Bon, on va le corriger. On va le corriger. Pas pour lui, c'est marrant. Il y a le calcul qui déconne à des moments quand même. Alors, attendez, on est dessus là. Là, il suffit de faire ça, je crois. Pareil. Hop. Clac. Et ça relance le calcul. Bon, ça les fout dans des caisses. Hop. Et là, normalement, c'est tout bon. On voit que ça descend le nombre. Voilà. Hop. Ils ont tous disparu. Ils sont plus. Enfin, le calcul s'est relancé. Ça s'est refait. Ça marche. Très bien. Je suppose que c'est un petit bug. Donc, les phacochères. J'ai fait naître un albinos, donc on pourra le vendre un peu plus cher, je suppose.
Tac tac tac, les Springbok, ils sont pas mal les Springbok aussi. Est-ce qu'ils sont pas trop? Est-ce qu'ils sont pas trop? Ouais, presque. On va relâcher les vieux peut-être. Tac tac. J'en ai beaucoup des vieux, dis donc. Plutôt qu'ils meurent. Tac. Voilà, relâcher la nature. Touc 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 touc. Dans mon mal alpha. Pif, allez. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors maintenant, on descend tout en bas. Voilà. Ouh, mes vipères heurtantes ont fait pas mal de petits aussi. On va s'en débarrasser. On va garder un mâle et une femelle. Hop. Envoyer au centre d'échange. Paf. Tac. Bon, les animaux, c'est un peu long à gérer. Ah, voilà. Les lémures. Non, les varirous, pardon. Qui font des petits, mais quelle horreur! Combien j'en ai des varirous en tout? Quelle horreur! Je vois pas, je peux pas faire mage. Oh, je ne peux pas faire mage. J'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Il y a beaucoup de dorés. On va déjà se séparer de tous ceux qui sont pas dorés en médaille. Hop, touc. Qui sont adultes parce que je peux pas me séparer des bébés. Hop, hop. Et dire que j'en avais acheté que 3 quoi. Un mâle, une femelle. Hein. Quelle horreur. Quelle horreur. Hop. Déjà rien que ça. Je vais les relâcher dans la nature eux parce que de toute façon, ils sont pas. Pourquoi je peux pas? Ah, les gestantes. Ils ne sont pas. Comment dirais-je? Ils peuvent pas se vendre très très cher. Donc, il n'y a pas trop trop d'intérêt. Alors, social, c'est un peu mieux. Mais vu le nombre de bébés que j'ai, je vais encore en balancer certains. On va dire. Ceux qui ont peut-être le moins de. Les bébés ont plus d'attrait, c'est marrant. Les bébés, ça attire le peuple. Là, on a un mâle, une femelle, allez hop, qui ont 4 ans. Tiens, 6 ans, hop, on va virer les un peu plus vieux. 8 ans. Hop, 8,2 ans aussi là. Hop, hop, hop. On va faire un peu de ménage, 8 ans là. 7 ans, hop. Très bien. Les éléphants, je dois avoir mon. Voilà, j'en ai un qui a grandi. J'ai deux mâles du coup. Alors, ouais, on va les arracher en nature. Pas mal, 748. Les éléphants, du coup. Je pense qu'on va en vendre un des deux. 30 ans. Ah, ça fait un vieux déjà. Il est bien adulte. Je sais plus combien de temps ça vit un éléphant. Je pense que je vais garder les deux là. Je pense que je vais les garder, les trois là. Et je vendrai les petits quand ils seront adultes. Alors on va déjà hop vendre tout ça. Tac. Échange rapide. Clac. Comme ça, on n'en parle plus. Ah oui, du coup aussi. Je voulais là-dedans, ici, ajouter des zèbres. C'est joli ces petites lumières là. Je voulais mettre des zèbres, donc on va aller voir les zèbres. La dernière fois que j'avais regardé, j'avais que des femelles, je crois. J'avais pas envie de n'acheter que des femelles. Ah voilà, c'est mieux. J'ai des mâles en plus. On va prendre ceux avec les crédits de préservation. Oh, j'ai que des mâles? Zut. Et eh bah, ben, on va prendre un mâle alors. 3000, on va prendre celui-là, un de ces deux-là. Celui-là. Allez, vas-y, 700. Clac. Et du coup, ben, on va prendre une femelle. Non, c'est pas ça que je voulais faire, zut.
Zèbre, voilà. On va prendre une femelle comme ça, tant pis, 8 ans. Ça fait un peu plus vieux, mais bon. Elle a plus de fertilité, c'est marrant. Par contre, elle a moins d'immunité. Je ne sais pas. Moi, bon, je vais prendre elle, allez. Tant pis, actualiser la liste. Peut-être qu'on peut prendre une deuxième femelle, remarque. Ouais, mais après, ils vont faire plein de petits, ça va être le bordel. Je sais pas comment ça se reproduit les zèbres. Si c'est comme les varirous là. Ok, donc maintenant qu'on a acheté deux zèbres. Ah mais j'en avais déjà acheté. Putain merde, quel con. Mais quel idiot. Quel idiot. Eh bien c'est pas grave, on aura quatre zèbres. On aura 4 zèbres. Ou alors je les revends. Ouais. Je les revends. Lui, je l'ai acheté combien? 700. Alors déjà, ces deux-là, on va les envoyer dans le zoo. Bon, on va prendre la femelle qu'on a achetée. De toute façon. J'en ai pas acheté deux femelles. Non, j'en ai pris qu'une. On va les envoyer dans le zoo. J'aurai deux femelles. Hop. Et... donc celui-là... On va bah, les changer, ouais, 1000 c'est pas mal. 1092 ça me conviendrait bien. Lui par contre on va le mettre à plus. Hein. Lui on va... Je l'ai acheté 700, on va le mettre à 1000. On verra. On verra bien si on n'y arrive pas, si ça le vend pas, c'est pas grave. Si ça le vend tant mieux, j'aurais fait un petit bénéf dessus. Ok. Donc maintenant... Ce qu'on va faire. Ah oui, c'est les koalas que je n'avais pas acheté encore. Et que je trouvais que des femelles. Je crois bien. Alors, koala. Hop. Bam. Confirmé. Ah, maintenant c'est que des mâles, évidemment. 10 000, non merci. Il n'y a pas beaucoup de choix. Hein. Franchement, je préfère acheter lui que lui. Ouais. C'est pas la joie, ça. Hein. Lui, il est plus jeune. Lui, il est plus jeune, c'est le mieux presque. J'aurais bien acheté un koala avec une médaille d'or, mais 10 000. 10 000, ça fait chier, hein. Je vais pas acheter un koala à 10 000, hein. Clairement pas. Puis y a que des mâles en plus. Ça fait yesh. Y a que des mâles. Mais je me suis encore trompé de bouton. Koala. Utiliser la liste. Ça change rien. Bon. Bon, bon, bon. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends celui-là? Quand même. Qui a des gènes pas trop mal. Allez, on va adopter celui-là. Par contre, il n'y a pas de femelle, quoi. Je sais pas, ça me sert à rien d'acheter 15 000. 15 000 animaux, hein. Ah, un mâle et trois femelles, c'est tous les groupes. Bah dis donc, dans mon gros habitat là, ils vont se sentir seuls. 180 mètres carrés, ok. Ah oui. Mais donc en fait, je pense que je peux avoir plusieurs groupes différents là-dedans, à mon avis. Ouais, je pense que je peux avoir plusieurs groupes différents. Parce que... Vu la taille de l'enclos là, ils vont être perdus, hein, les pauvres quoi là.
Ok, très bien. Donc, ici, j'ai mis le panneau des phacochères, j'ai mis le panneau, je crois, des autruches. Il va falloir que je mette le panneau des zèbres, puisque j'ai mis les zèbres. Alors, le panneau des zèbres, il va falloir le récupérer là-bas. Ici, il doit être quelque part par là, voilà, ici, hop, paf. J'ai encore un paquet d'animaux d'Afrique à poser. Hein. C'est super joli ce truc. C'est la zone de quarantaine en plus en rouge. Alors les zèbres, où est-ce qu'on va mettre le joli panneau? Joli panneau qui au passage ne sert à rien. Qui est juste là pour de la déco. On va le mettre ici, hein. Ah, c'est un peu penché, ça va pas bien. Oula. Oula, allez. Faisons ça. Ici. Clac. Hop. Voilà, très bien. C'est parfait. C'est parfait, ça me va. Par contre, il va falloir ajouter des vrais panneaux éducatifs. Qui vont prendre de la place devant le. Ouais, c'est pareil, il y a de la place devant les vitres quand même. Donc là, on commence à arriver à avoir des gens pas mal qui se massent ici. Hein. Ils vont venir vers la zone d'Australie, je pense. Et là, ils commencent à faire le tour, c'est bien, ils se répartissent. Après, une fois qu'on aura les téléphériques, là, les trucs qui seront. Si après je fais un train qui fait tout le tour, là, il faudra que je le fasse rapidement. Ça, d'ailleurs, le train, ce serait bien de le faire presque en premier. Dès que j'ai placé mon premier enclos là, dont j'avais l'idée de mettre, ce serait bien que je fasse mon train directement après, que je finisse cette montagne aussi. Ah oui, j'avais dit que je ferais peut-être une autre montagne pour faire une sorte de vallée là. Ce serait pas mal ça. Du coup, ici aussi, ouais, je ferai une zone avec, je sais plus si j'ai dit, avec des magasins. Et là, il faudra que je finisse ce bâtiment là pour qu'il soit un peu plus joli que ça. Parce que j'avais commencé à faire style, genre c'est des conteneurs placés un peu comme les bâtiments là. Et j'ai pas terminé. On pourrait peut-être se faire ça d'ailleurs. On pourrait peut-être se faire ça. Là j'ai vu que dans ce bâtiment là il y avait des trucs sympas qu'il faut que je trouve. Là c'est ça. C'est les métal poutres de 4 mètres. Avec les métal poutres intersection. Donc là, je cherche métal, poutre, d'accord. Poutre, métal, ça marche pas. Poutre, poutre en bambou, non. En bois, bois carré. Poutre métal, grande poutre 4 mètres. Voilà, c'est ça. Celle-ci, ouais. Avec les intersections. Ok, donc là, si je fais comme ça, par contre, il faut que j'enlève ça, merci. Oula. Voilà, il faut que je me mette bien droit et que je fasse. Alors, on va mettre X. X. Hop. On va essayer de faire ça bien. Clac. Je me mette bien là. Hop, voilà. Clac. Ok, comme ça fait vraiment conteneur. Alors ensuite, là, ici, ça s'arrête où? Parce que là, j'en ai un deuxième par là. Non, ah non, je voulais pas le. Non, c'est pas ça que je voulais faire. S'il vous plaît. Moi, je voulais voir où s'arrête le deuxième. Voilà, bah, il s'arrête par là. Donc. Et vite, on s'en fout. Si je le mets par là, ça devrait le faire. Hop. On va faire comme ça. Ok. Là, je vais faire CTRL X. Je remonte ça tout en haut, ici. Et on va. Hop. Verrouiller la rotation. Clac. Clac. Ok. Tac.
Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Ok, donc là je fais. Voilà, on va en mettre un autre. Clac. Ici. Voilà. Et un autre au bout là-bas. Zou. Voilà. Ok. Donc non, je n'ai pas besoin d'un autre. Merci. Est-ce que j'en ai deux? Je ne sais pas. Là, on va refaire une rotation sur ce truc-là pour que ça fasse moins moche. Voilà. Toc, toc, toc. Je crois qu'il y en a un là-bas qui est pas terrible aussi. Hop, parfait. Là, on va dupliquer cette lampe. Paf. Voilà. Là, il me fallait ça. Ah oui, mais la poutre, il va falloir que j'en mette une le long là aussi. Et oui. Et pas plus gros. Non, ça c'est plus petit. Il faudrait un petit peu plus gros, pardi. Bon, ça ira bien. Hop, donc il me refaut une poutre comme ça. Clac. Voilà, comme ça c'est bien. Ça ira bien ça. Ça ira très bien. Ok. Clac. Parce que là, ça dépasse pas quelque part. On y voit, ouais, on y voit quand même. Donc je vais le mettre, celui-là, jusqu'au bout. Hop. Voilà. Maintenant, là, faut que je duplique ce truc-là. Ok, ici c'est bon, je vois pas bien, ça manque un peu de lumière là. Hop, ok, c'est vrai que ça dépasse pas bien beaucoup au-dessus ça. Voilà, je pense que je le tire. Ah, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Voilà. Merde. Ah, c'est con, ça fait pile poil la taille du truc, quoi. C'est un peu débile ça. C'est une intersection, mais qui est pas ouf. Comment ils auraient fait là? Ouais, là, c'est au millimètre, quoi. Bah non, ça paraît plus petit pourtant. C'est pas les mêmes poutres. Ah non, pourtant ça a l'air d'être à peu près pareil. Ouais, c'est à peu près pareil. Bon. Et ben tant mieux. Alors là, il m'en faut une autre au bout là-bas. L'intersection comme ça. Hop. Voilà, on va mettre comme ça. Ok. Voilà. Voilà, comme ça, on dirait vraiment qu'on a des conteneurs. Là, j'ai fait mon truc. J'aurais voulu faire un genre qu'il y ait un autre conteneur au-dessus. J'aurais pu faire ça. Ouais, là, j'aurais voulu faire ça autrement. Alors, les murs. Les murs. On va reprendre ça. C'est en tôle. C'est en tôle, c'est celui-là. Hop, clac.
Clac, clac, clac et clac. Voilà. Donc il va me falloir le sol aussi en tôle. Là, dans ce sens-là plutôt. Quoique. Quoique non, pas dans ce sens-là. Plutôt dans ce sens-là. C'est un peu bizarre là, mais bon. Ouais. Ok, maintenant il faut qu'on récupère ça, là, la poutre. X. Ok. Ici. Ici. Clac. Ok, c'est bien comme ça. Ok, contrôle X. Au bout là-bas, pareil. Ouais, c'est bien là. Clac. Alors, contrôle X. Bam bam. Comme ça me paraît pas mal. Et la même chose comme ça. Oui, je l'ai pas mis là-bas, si. Ah si. Ah mince, je l'ai déplacé l'autre. Quel débile. Ok. Donc là, j'en mets un autre ici. Paf. Ok, et un autre par là-bas. Voilà. Ok, encore une là-bas. Voilà. Là, je prends celui-là. On remettra après l'autre. Faut que je mette tout au bout là, au bout comme ça là. Hop, et là maintenant je prends celle-ci et celle-ci. Allez, voilà, CTRL X. Zoom. Et voilà. Ok. Donc là on a tout notre contour. Là on va faire CTRL X. Non, on va carrément prendre celui-ci. Allez, CTRL X. J'ai l'impression que j'ai mal sélectionné mon truc. Je vais voir si je fais quitter. Allez-moi ça. Ha! 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 C'est pas grave. C'est pas dramatique, hein, mais bon. C'est pas grave. Ok, du coup, là, on prend ça. CTRL X. Là, on met comme ça. On va essayer de faire ça bien. C'est pas mal. Pour essayer d'être bien ici. Oh, on est pas mal là. Un petit peu trop peut-être. Passer par là peut-être. Voilà. Bon, allez, c'est bon. Si je prends carrément les deux direct. Hop. Voilà. Celui-là est pas top. On va le replacer. Ok, ça a l'air bon. Oula, mais lui il est pas bien mis comme il faut du tout. C'est bizarre. C'est bizarre, il est pas droit mon truc. Pourtant je l'ai bien déplacé de là-bas comme ça droit, non? C'est chelou. Ok. Donc là j'ai mon conteneur. Ça fait pas mal je trouve. Ça fait sympa. Ça fait genre le bâtiment collé au conteneur. Ok. Ouais, non, je peux pas supprimer juste le bout là.
J'aime bien. Là, du coup, on va remettre un truc comme ça, je pense, dessus, là. Les espèces de plantes. Ça me plaît bien, moi. Juste les palettes avec les plantes, là, je peux pas. Il faudrait que j'arrive à sectionner juste les palettes avec les plantes. Ah, ça va être chaud. Comme ça. C'est pas mal, là. Il n'y a pas l'air de me manquer grand-chose. Il me manque la palette là. La plante là. Ça. Ctrl X. Voilà, pas mal, très bien. Très bien. Hop. Voilà. C'est pas mal ça. Voilà un peu de déco. On a genre des palettes posées et... Enfin des conteneurs qui ont été posés et qui vont nous servir de file d'attente. Oula, faut que j'enlève ces trucs là, ces planches en travers. Qui vont nous servir de file d'attente. Ici, pour aller dans notre circuit de Jeep et la sortie, idem, clac-clac, qui mène à notre truc. Voilà. C'est top. C'est tip top. C'est tip top. Bon, peut-être qu'on le décorera un peu mieux, on verra plus tard. Mais là, j'ai une jolie petite base. Ok. C'est bien, on a mis nos boutiques. Donc là, c'est cool. Là, c'est cool. Peut-être qu'on va essayer de faire notre délimitation là. Ctrl D, hop. Voilà, faut que je fasse une délimitation ici pour cet abri. Alors, on va dans nature, on prend les rochers, ils sont rouges, c'est les trucs de désert rouge, voilà. Merde. Hop. Qu'est-ce qu'on va prendre comme rocher? On va enlever ça. Alors, on va mettre du gros rocher, hein, de toute façon, on a la place là. Hop. Hop, zou. Là, ça peut être pas mal, là. En vrai. En vrai, je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on est bien. Des petits. On va prendre celui-là. Tac, là je pense qu'on est pas mal ici. Il faut que j'édite. Non, c'est pas ça que je vais faire. Quitter. Moi je vais éditer ça. Voilà. Si je prends ce point-là que je le tire. Hop, par là. On est pas mal, je pense. Et lui, je le tire un peu par ici. Voilà. Ok, il manque juste un peu quelque chose là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Des petites décos là, des caisses comme ça, des palettes. Si je prends des palettes, que je fous mes palettes comme ça. Ah non, ça suffira pas. Par contre, je peux peut-être mettre des espèces de caisses. Je crois qu'il y a des caisses. Je vais mettre là. Je vais enlever tôle. Je vais mettre caisse. Non, il n'y a pas caisse. Boîte. Décor. Et là, on va mettre filtre. Thème. Australie. Je crois qu'il y a des espèces. Ah, c'est marrant, c'est clôture. Je crois qu'il y a des... C'est quoi ça? Ah, oh, c'est marrant. C'est pas mal ça. Il y a pas mal de choses qu'il va falloir que je fasse encore. Non, il n'y a que les palettes, il n'y a pas les espèces de boîtes là. C'est peut-être pas Australie aussi. Hein. C'est peut-être pas Australie. On va enlever les plans là dans cette recherche. C'est
Peut-être pas dans le thème de l'Australie les boîtes. Alors on va enlever ça. On va chercher. Je sais qu'il y a des espèces de caisses. J'en ai vu, je sais plus où. Ça fait 45 minutes de vidéo, j'étais en train de regarder en même temps. On va peut-être s'arrêter. Ah voilà, celle-ci. Ah c'est l'Inde. Ouais, c'est pas grave. Il n'y en a pas d'autres types, ce serait pas mal qu'il y ait d'autres types de caisses. Piles de tissu. Il y a les palettes, on peut mettre des palettes. On peut mettre des petites palettes comme ça là. Clac. Une palette là. Et une palette ici. Hop. C'est quoi ça? C'est des cordages, ils sont un peu petits. Sur la palette, on peut avoir des caisses comme ça. C'est un peu grand, c'est dommage. C'est vide surtout. Faudrait qu'on trouve autre chose. Tiens, des cordages comme ça peut le faire. Ouais, bof. Ah, c'est les cordages qui vont sur des poutres. Ah, il est gros ce tronc. Un sac? Ah, ça c'est bien un sac. Hop. Voilà. Un petit sac là, comme ça. Bon, ça suffira peut-être pas, mais. Mais bon. C'est toujours ça. On verra, ça se trouve, ça suffira. J'essaierai comme ça déjà. Hop, le sac, je peux en prendre un autre et le mettre dessus comme ça. X. X. Hop. Ok. Bam, ça se trouve, ça suffira. Pas qu'il puisse s'échapper, j'ai un doute là, mais j'ai un doute, hein, je vous avouerai, mais clac, voilà. On verra bien, on verra bien, sinon on y mettra autre chose. En tout cas, mes koalas ils seront bien. Ah, j'en ai pas acheté du coup, on a dit, hein. Mais non, si j'en ai acheté un. Bah, on peut le mettre, hein. On va pouvoir le mettre, hein. De toute façon c'est rien qui reste, c'est rien qui reste là-dedans. Ok, eux ils ont été vendus, ouais, enfin ils sont en cours de vente. Ok, bah voilà, du coup je pense qu'on va se laisser, on va s'arrêter là pour cette vidéo. La prochaine fois on essaiera peut-être de faire cette zone là, je ne sais pas, peut-être qu'on fera l'abri là des kangourous. On verra, peut-être qu'on ch cherchera du coup déjà d'autres koalas. Là, il faudra que je trouve un peu pour décorer ça. Il y a ici un abri des singes qu'il faut que je fasse. J'ai énormément de choses à faire. Énormément de choses à faire. Vraiment, là, il faut que je finisse la déco de ce truc-là. Mettre des pierres un peu partout pour faire les contours, comme d'habitude. Voilà. Et voilà, il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc voilà, moi sur ce, je vais m'arrêter là. Donc je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Salut à tous, ciao!